Ah bah bravo, bravo. Moi, dimanche matin, pendant que je regardais le quart de finale, il y a un copain d'Albi, il me dit oui, Fred, depuis que t'as repris les vidéos, tu chambres plus les Tarnais, il n'y en a que pour les Aveyronnais et les Ariégeois. On a les petits coups comme ça, là, comme s'ils voulaient être éliminés de la Coupe du Monde. Heureusement, qu'est-ce que j'apprends? Une copie d'un élève de CM2 dans le Tarn a pas mal tourné sur le web. Il a barré pain au chocolat pour mettre chocolatine. Bah déjà j'ai appris deux trucs. D'une, qu'il y avait des jeunes de moins de 65 ans dans le Tarn, et de deux, qu'il y avait des écoles. Faut pas trop les chercher les jeunes Tarnais. Hein. En même temps, bébé dans leur biberon, il y a du respunchus. Et puis le vent, ça rend fou. Dans le Tarn, on dit, quand les faucons pèlerins volent haut, c'est qu'il va y avoir du vent. S'ils volent bas, c'est qu'il y en a déjà. Après, moi j'aime bien aller à Albi, hein, ne serait-ce que pour faire les courses. Du coup, je me suis demandé comment ça se passe dans les écoles ailleurs. Ah non, j'installe le décor pour que ça fasse plus école. Oui, je plierai le linge, oui. Dis donc, qui c'est qui porte la culotte? Ah oui, c'est toi, oui. En Aveyron, paraît que ça se passe comme ça. Alors, donc, si j'achète 5 bouteilles de vin à 3 euros, ça fait combien? Eh ben, ça fait trop cher, monsieur. Ouais, je fais pas l'accent parce que je sais pas très bien faire les accents. Sinon, il y a en Ariège. Hein? 5 bouteilles de vin? Oh, ben, chez moi, ça fait 2 jours. Après, en Ariège, en CM2, la moyenne d'âge, c'est 32 ans, je crois. À ce qui paraît, en Ariège, le matin, ils ont cours, l'après-midi, ils ont forêt. Et enfin, au lycée Saint-Éloi d'Herbus, au Minimes. De quoi 5 bouteilles de vin à 3 euros? Non mais vous emmerdez pas, hein, on passera par le CE. Ah ben moi en ce moment je suis aéro, aéro, aéro. Hein. D'ailleurs, toutes les dates sont complètes. On va peut-être en rajouter quelques-unes. Pour revenir au Tarn, moi il y a un personnage Tarnais qui m'a vraiment touché et beaucoup fait rire malheureusement qui nous a quittés. Le gars avait fabriqué une mobylette électrique. Si, on s'en souvient de cette vidéo. Et putain de Dieu, mais bien sûr. Voilà, ouais. J'étais sûr. Milieu de Dieu. J'ai chargé, nom de Dieu. Il y a un gars à Tarascon-sur-Ariège qui avait inventé la trottinette électrique. Mais bon, il a jamais réussi à aller plus loin que le tunnel de Foix. Non pas qu'il était fermé le tunnel, non, c'est que la rallonge était trop courte jusqu'à celui.